Voilà, c'est bon, c'est parti. On va commencer du coup le quiz astrospatial numéro 28. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. J'espère que vous allez bien. Quiz astrospatial numéro 28, thématique astronomie étonnante. Alors, je rappelle, oui, effectivement, parce que si vous êtes en live actuellement, il faut, comme le rappellent les boucles d'oreilles, activer l'onglet Quiz Kit sur le côté droit de l'écran. Moi, je vais toucher mon ventilateur pour qu'il arrête de faire du bruit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? La pub habituelle de la chaîne, la voici. Et on a la pub Auchan, génial! Rôti de porc, magnifique! On s'en fout! On s'en fout! On va se mettre un petit peu de Faster Than Light, tiens, pour changer, voilà, hop! Et qu'est-ce que je disais? Oui, la pub! Je rappelle que j'ai désormais un compte Mastodon et que il va progressivement remplacer mon compte Twitter. Puisque, comme vous le savez, un certain melon musqué a racheté Twitter. Et je ne veux pas être sur un tel site. Voilà. C'est pas un site web, c'est un site web maintenant. Avec SITH. Voilà. Elongated Muskrat. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez toujours bien sûr le Discord hein, pour venir discuter. Nous avons également, je vais y arriver, les petits chats ici en émoticône que vous pouvez utiliser, créé par Fidafid, ma chérie. Voilà. Et enfin, votre petit chat en bas de l'écran, bien, vous pouvez le modifier avec Stream Avatar. Voilà. Voilà. Donc désolé hein, pour les streams un petit peu irréguliers en ce moment. Je reprends doucement le rythme après une grosse fatigue de plusieurs mois même, on va dire. J'avais besoin de faire une pause de stream, donc j'espère qu'on va remonter au nombre de gens qu'on avait avant sur les lives. Voilà. 30 secondes des épées, je prépare ma petite soupe. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que je meuble pendant 30 secondes. Ben, je vais vous remettre un petit peu des étoiles, tiens. Allez hop. Tac. Voilà, reprenons des petites étoiles, n'hésitez pas. Point d'exclamation saut pour les attraper. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Pop, pop, pop. Non, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà, c'est parfait. C'est bon go, et ben c'est parti. On y va, je vais lancer la première question. Je vois que vous entendez pas très fort la musique. Finalement, je vais pas mettre. Je vais pas mettre. Je vais plutôt mettre. East Shade, c'est mieux. Voilà, plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Plus sympa, plus sympa, plus sympa. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Si vous êtes prêt, puis dites-moi un petit plop dans le chat, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un petit plop dans le chat pour dire que vous êtes prêt. Vous avez bien cliqué sur Quiz Kit. Peloupe. Et puis on va pouvoir y aller. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs. Ah oui, je rappelle, oui, les règles du jeu quand même. Les règles du jeu, si vous êtes sur YouTube, et bien simplement vous comptez un point par question à laquelle vous avez bon. Et vous enlevez un point si vous avez faux. Vous mettez les scores en commentaire. Et si vous êtes sur Twitch actuellement, vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. Si vous répondez juste, les points sont positifs. Si vous répondez faux, les points sont négatifs. Et plus vous répondez. Vite, plus la valeur absolue de ces points est grande. Par exemple, si vous répondez juste au bout de 2 secondes, 30 moins 2, ça fait 28 points. Si vous répondez juste au bout de 28 secondes, 30 moins 28, ça fait 2 points. Si vous répondez faux au bout de 2 secondes, 30 moins 28, ça fait bah, 28, mais moins 28 points. Et si vous répondez faux au bout de 28 secondes, 30 moins 28, 2, moins 2 points. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la première question. J'ai essayé de faire des questions étonnantes, voilà, en astronomie. Peut-être que tout ne vous étonnera pas. Il y a peut-être des questions qui ont déjà paru sur les 27 précédents quiz. On verra bien. J'espère que vous allez bien vous amuser, que vous allez bien apprendre des choses et que vous allez battre les boucles oreilles qui gagnent à chaque fois. D'ailleurs, je vais faire un petit shout-out à Elle boucle les oreilles. Voilà. Bon, c'est vrai que Elle boucle les oreilles ne gagne pas à chaque fois, mais on va dire plus de 50% des fois. Voilà. Voire plus de 70% des fois. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Attention, c'est parti.
Laquelle de ces propositions est fausse? Vénus a des phases vues depuis la Terre. Le jour de Vénus est plus long que l'année sur Vénus. Vénus tourne à l'envers sur elle-même. Ou Vénus possède deux lunes? Quelle est la réponse fausse parmi ces propositions, mesdames et messieurs? Je vous écoute. Dites-moi donc, il vous reste 15 secondes pour répondre à cette question. Il vous reste 15 secondes, vous avez juste à cliquer sur l'écran directement. Si vous êtes en live, allez-y. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne de votre côté? Je vais mettre la lumière là. Tac, voilà. Alors, j'attends que toutes les réponses arrivent. Et la réponse était que Vénus ne possède pas de lune, effectivement. Et Vénus tourne bien à l'envers sur elle-même. Si vous suivez mon compte sur Mastodon, vous verrez peut-être que je mets une question quiz tous les matins. Et la question quiz d'hier, c'était celle-là, justement. Et Vénus tourne à l'envers sur elle-même. Elle tourne d'est en ouest au lieu de ouest en est, comme la Terre, parce que une collision par le passé, probablement au début de sa formation, l'a renversé son axe de rotation et donc elle est à 177 degrés, et donc ce qui fait qu'elle tourne à l'envers des autres planètes. Donc ça c'est vrai, son année dure 225 jours, son jour dure 243 jours terriens. Vénus a des phases vues depuis la Terre, puisqu'elle est plus proche du Soleil que la Terre, et donc on ne voit pas toujours le même côté éclairé par le Soleil. Par contre, Vénus ne possède aucune lune. C'est le cas d'Uranus aussi, sauf qu'Uranus c'est simplement 97 degrés et quelques, c'est la moitié seulement. Et c'est le cas de la Terre aussi qui s'est pris un pain sur la figure, ça a fait la Lune hein, aussi. Voilà. Et puis regardez les scores, alors. Fide. Bah, qu'est-ce que t'as fait ma chérie? Tu t'es gouré? C'est ça, Uranus, elle roule sur son orbite. Alors, pas vraiment parce que... enfin, elle roule de côté, en fait. Parce que son axe de rotation ne pointe pas vers le Soleil. Ce qui fait qu'elle ne montre pas toujours son même pôle au Soleil. Voilà, c'est pas tout à fait... Voilà, elle tourne à l'endroit, mais c'est son pôle Nord qui a la tête en bas. Une espèce de Perceval, va. Oh, d'ailleurs, pour mon autre travail, je suis allé... dans un studio d'enregistrement géré par personne d'autre que Franck Pithiot en personne. Alors j'ai pas vraiment osé lui faire mon jeu de mots sur qui dit que cocu de chouette toutes les parties que tu perds se valent. Je n'ai pas osé, mais il est très sympa en vrai. Voilà. Elle a changé son fusil d'épaule. Elle drift sur son orbite. C'est ça, exactement. Eh bien, les scores Toto, bah, les voici pour l'instant. Rien de bien surprenant. C'est parti. Question numéro 2, mesdames et messieurs. Lequel de ces objets du système solaire ne possède pas de système d'anneaux? Pluton, Chiron, Chariclée ou Jupiter? Chiron et Chariclée étant des centaures, des objets mi-comètes, mi-astéroïdes, et Pluton étant une planète naine. Et Jupiter étant Jupiter, voilà. Et Jupiter étant un certain président de la République. Alors, je vais goûter un légume que je ne connais pas, le chouchou. Appelé aussi Christophine. Très original. Ça a un goût de navet, un peu. Ouais, c'est très bizarre, mais bon. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre des recettes de cuisine. Je Alors, est-ce que cette question vous a perturbé? Est-ce que cette question vous a perturbé? Oh, c'est un petit chat mignon, ça! Oh là là, j'ai un petit chat mignon dans les bras! Ah, c'est petite Calisto d'amour, ça! Mon petit chat. Ça va, Calisto? Elle a eu toute la bûche, elle. Du beurre. Et du bâton.
Oui. Et la réponse était Pluton. Chariclo et Chiron sont donc du coup deux centaures qui ont, sont des objets qui orbitent entre dans les périgées, enfin dans les périhélies et aphélies, donc point le plus proche du Soleil, point le plus loin du Soleil, sont entre Jupiter et Neptune. C'est ce qu'on appelle les centaures parce qu'ils sont à la fois composés de roches et de glace et ils ont une activité cométaire minimale. Donc centaure hein, comme hybride homme-cheval, bah là c'est hybride comète astéroïde, et par occultation stellaire on a détecté des anneaux. Quand le machin passe devant une étoile lointaine, et eh bien avant et après il y a une faible baisse de l'étoile symétrique à cause des anneaux. Pluton n'a pas d'anneaux, bien que on en a cherché. Moi quand j'étais en thèse j'en ai cherché parce que à l'époque la sonde New Horizons devait arriver vers Pluton en traversant le plan équatorial de Pluton, et comme Pluton a 5 satellites et que les masses de tous ces machins là font que une collision sur Pluton éjecte des cailloux dans l'espace qui vont être quand même qui vont pas avoir une vitesse assez grande pour s'échapper de Pluton, donc faire des anneaux. Donc c'était pas impossible qu'il y en ait. Voilà. Et Jupiter en a également bien sûr, même s'ils sont très fins. Alors, c'est Fidafid qui a le mieux répondu à la question. Tu fais... Fidafid nous fait un moins 26 000 et un plus 28 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Image numérique, elle boucle les oreilles. Bravo. Qui est contestante 11 qui n'a pas mis son pseudo dans Twitch? Et donc, c'est Image numérique qui est en tête pour l'instant devant elle boucle les oreilles et Uraniman. Voilà. Alors, est-ce que vous saviez ça? Une petite bouchée de choupe. Ça ressemble vachement à la courgette. Mmh. Croisement entre la courgette et le navet. Ouais. Question suivante. J'aime bien. Si on plaçait ces étoiles brillantes dans le ciel, hein, à la même distance de nous, laquelle serait la plus brillante? Deneb, Bételgeuse, Sirius ou le Soleil? Si on mettait toutes les étoiles suivantes à la même distance de nous, laquelle paraîtrait la plus brillante? Est-ce que c'est Deneb? Est-ce que c'est Bételgeuse? Est-ce que c'est Sirius? Ou est-ce que c'est le Soleil? Faut que j'arrête de jouer parce qu'à chaque fois je regarde sur toi. Hein? C'est pour ça qu'elle gagne. Non. Alors. Non, mais je laisse réfléchir. Je savais pour la précédente. Tu sais pas, on crée béchamel. Alors, et après, on m'accuse de tricher. Tout à fait, il faut que vous oreilles. Il y a des gens qui trichent plus que toi. Allez, je révèle la réponse. C'était Deneb. Et oui, il y avait un piège. Alors, je vous rappelle que on... Ma chérie, je mangerai ça plus tard parce que j'arrive pas à tout faire à la fois. Merci. Je vous rappelle que on mesure les luminosités apparentes, donc les luminosités des étoiles réduites par la distance. On fait ça en magnitude apparente et donc... Plus c'est positif, plus c'est faible, et plus c'est négatif, plus c'est fort. Et il est vrai que le Soleil est l'objet le plus lumineux dans le ciel vu depuis la Terre, avec une magnitude apparente de moins 27. Un cran de magnitude, c'est un facteur... c'est 10 puissance moins 2,5, si je ne me trompe pas. Attends. Non, c'est un facteur 2,5, c'est un facteur 2,5, c'est ça. De différence. Mais donc, la luminosité réelle des étoiles, eh bien, il faut prendre en compte la distance. Il se trouve que un objet qui est deux fois plus loin est quatre fois moins lumineux. Tu peux montrer avec tes Lego là à droite. Attends, laisse. Oui, je sais, mais attends, j'explique.
Ma chérie, elle veut faire des explications à ma place. Et donc, je disais, si on met toutes les étoiles à la même distance de nous, on obtient non pas la magnitude apparente, mais la magnitude absolue, puisqu'on a un rapport, pareil, logarithmique de valeur tel que perçu par nos yeux, mais si on plaçait les étoiles à la même distance. Et donc, les magnitudes absolues permettent de remonter à la luminosité réelle des étoiles en watts, donc des joules par seconde, l'énergie émise par seconde par toute la surface de l'étoile, tandis que les magnitudes apparentes peuvent remonter au flux lumineux, c'est-à-dire la même chose, mais divisé par 4π fois la distance au carré. Voilà. Vous imaginez la luminosité d'une étoile, la surface d'une étoile qui émet de la lumière, et on imagine une onde comme ça, sphérique, qui va s'étendre dans l'espace et se diluer avec la distance au carré. Voilà, puisque c'est une sphère. Et donc, effectivement, si on met toutes les étoiles à la même distance de la Terre, eh bien, elles n'auront pas la même magnitude d'apparence. Et Sirius, qui est la plus brillante du ciel nocturne, avec magnitude moins 1, eh bien, finalement, est une étoile assez faible. Si je vous donne les magnitudes absolues et les magnitudes apparentes de ces étoiles, vous allez voir les différences. Alors, le Soleil, déjà. Le Soleil a une magnitude apparente de moins 27. Donc, hein, c'est l'objet le plus brillant du ciel. Donc, moins 26,832. Et sa magnitude absolue, donc si on la plaçait à 32,6 années-lumière de nous, 10 parsec, eh bien, ce serait 4,74. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que ça en vrai. 10 parsec, au passage, qu'est-ce que c'est un parsec? C'est la distance à laquelle il faut se mettre pour voir la distance Terre-Soleil, donc 150 millions de kilomètres, faire seulement une seconde d'arc, donc un 3600ème de degré dans le ciel. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on a pris cette définition-là, mais c'est la définition. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi j'ai utilisé les parsecs bêtement pendant toute ma vie sans trop me demander pourquoi on avait pris cette définition-là, mais bon. Soit. Et donc, ça c'était pour le Soleil. Pour Sirius. Sirius. Sa magnitude apparente est de moins 1,46. Voilà, donc l'objet le plus brillant du ciel après, les planètes et le Soleil et la Lune, tout ça. Donc l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil. Et sa magnitude absolue n'est que de 1,43. Voilà, c'est certes plus brillant que le Soleil, 2,5 puissance 3 fois plus brillant que le Soleil, si je ne me trompe pas à peu près. Mais alors si on passe à Betelgeuse, qui est une géante rouge, une super géante rouge, une très grande étoile, eh bien, on a une magnitude apparente de 0, à peu près, et une magnitude absolue. Attendez, j'ai un autre ventilateur qui fait des conneries là. Voilà. Magnitude absolue, moins 5. Voilà, donc ça commence à faire pas mal. Moins 5. Alors, si vous voulez un truc qui brille, il y a une magnitude de moins 5 dans le ciel en apparence, sans changer les distances ni rien. Moins 5, c'est Vénus quand vraiment c'est la meilleure configuration. Et ça fait un gros phare dans le ciel, hein. Donc moins 5, ça commence à faire pas mal. Et enfin, Deneb. Alors Deneb qui est une super géante bleue cette fois-ci. Eh bien, sa magnitude apparente est de 1,25. Voilà, donc c'est quand même un peu plus faible que Betelgeuse, hein, dans le ciel. 2,5 fois plus faible, si je ne me trompe pas. Et par contre, sa magnitude absolue, c'est moins 8,75. Voilà. Parce que, en fait, à taille égale, à taille similaire, une super géante bleue et une super géante rouge n'auront pas la même luminosité. Puisque la luminosité d'une étoile, ça dépend du rayon au carré. Et donc, la taille en fait, mais donc, du rayon au carré. Et de la température puissance 4. Ça veut dire que la température a un effet plus important que la taille de l'étoile sur sa luminosité. Voilà. Donc, une étoile bleue étant plus chaude, eh bien, elle va émettre plus de lumière qu'une étoile rouge.
Donc le ciel aurait un aspect tout à fait différent si on mettait toutes les étoiles à la même distance de nous. Voilà. J'hésitais avec Betelgeuse, finalement j'ai pas répondu. Eh bien, la réponse. On a Image Numérique et Fidafid qui ont bien répondu. Bravo ma chérie, dites donc. Ah ben t'avais triché, c'est ça? T'avais triché sur cette question? Pardon? Ou pas? Est-ce que t'as triché sur cette question ou pas? Jean Deneb? Ouais, t'as triché ou pas? Bah, je sais pas ce que tu avais expliqué quand tu faisais ta conférence, ou que justement en trois dimensions tu déplaçais tes étoiles et tu D'accord, donc ma chérie n'a pas triché. Elle n'a pas triché, elle est arrivée deuxième à cette question sans tricher. Et donc c'est Image Numérique qui a le plus de points, ensuite c'est Elbox Oreille, ensuite Uraniman, et donc Fidafid est en quatrième position. Bravo, on passe à la question suivante. Tu m'as pas sur le podium, non. Ça va? La découverte d'Eris a été l'événement déclencheur du déclassement de Pluton. Que veut dire Eris? Est-ce que c'est le dieu des ombres? Est-ce que c'est la déesse de la discorde? Est-ce que c'est le dieu des instabilités? Ou est-ce que c'est la déesse du désordre? Alors. Pensez aux conséquences de la découverte d'Eris, notamment auprès de ces astronomes américains qui tiennent encore, paraît-il, à ce que Pluton soit une planète. La blague, c'est que c'est la seule qu'ils avaient découverte. Elle date un peu, cette blague, mais bon. Et du coup, on a nommé Eris en l'honneur d'une divinité en rapport avec ce qui s'est passé. Je me souviens de ce moment, l'ironie du truc m'avait beaucoup fait rire à l'époque. Eh oui. Eris est donc un objet étrange neptunien qui avait été mesuré comme étant plus gros que Pluton à l'époque. Il s'avère en fait qu'elle ne fait que 2 300 km de diamètre et pas 2 400 pour Pluton. Mais ça reste très gros et c'est loin d'être le seul corps comme ça qu'on a découvert, ce qui a fait qu'on a dû déclasser Pluton pour des raisons pratiques. Je rappelle que dans la nature, il n'existe pas de limite entre les choses et que c'est nous qui les mettons pour cartographier le monde et mieux le comprendre. Voilà. Mais donc, techniquement, entre une planète naine, il n'y a pas tant de différence que ça. Il a fallu qu'on en place, nous. En disant que les planètes naines ne faisaient pas assez le ménage sur leurs orbites de par leur masse et leur gravité, contrairement aux planètes. Voilà. Une limite un petit peu arbitraire, mais il a bien fallu trancher pour s'en sortir en termes de convention, tout ça. Il s'agit bien de Eris, la déesse de la discorde. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Est-ce que le gel Discord aurait pu s'appeler Eris? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Pourquoi pas? Ou plutôt, si jamais le PDG de Discord est une femme, ce serait Eris. Oui. Tout à fait. Alors, viens voir. Ah non, mais c'est Discord, mais dans le nom. Ah, Michel de l'Olympe, peut-être, je sais pas. Non, Uraniman et Bogues Oreilles Ratatosk, bravo à vous pour ce joli score. Ça donne quoi en score général? Image numérique et Bogues Oreilles Uraniman. Fidafid, toujours en quatrième position. Image numérique prend une première bonne avance face à Bogues Oreilles. Va-t-il ou va-t-elle la garder? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Mais cela ne nous regarde pas. Ça a donné le mot héristique, l'art de la controverse. Ben ça, je ne savais pas, Ratatos, que je te remercie grandement pour cela. Et d'ailleurs, je vais te donner des petites étoiles pour te remercier de cette information que je ne connaissais pas. Voilà. Ça marche plus, les... Mais si, ça marche. C'est bizarre, ça. Moi ça a marché, je t'ai mis. Très bizarre. Pop, pop, pop. La suite. Allez, on y va. Question numéro 5. Quelle est la proportion de matière ordinaire dans l'univers? 84,1%, 45,2%, 10,3% ou 4,9%?
sachant que le reste de l'univers est fait de matière noire et d'énergie noire. Et quand on parle de matière ordinaire, il s'agit de tous les atomes et toutes les particules que l'on peut mesurer, neutrinos, photons, etc. Dans la matière ordinaire, on inclut aussi tout ce qui est énergie et tout, mais tout ce qui est ordinaire en fait. Et dans le pourcentage que vous allez trouver, il faut séparer bien sûr ce qui est de la lumière et ce qui est des particules qui se baladent et ce qui est des atomes illuminés, des atomes qui sont sombres, etc. Et donc, si on enlève tout ça et qu'on se retrouve juste avec les planètes et les étoiles et les nébuleuses, ça fait pas beaucoup. Et la réponse était 4,9%. 4,9%, effectivement, c'est la proportion de matière ordinaire de l'univers. Quelques dizaines de pourcents la matière noire et tout ce qui reste c'est l'énergie noire et donc effectivement la matière que l'on connaît ne fait qu'une toute petite partie de la masse de l'univers. Je rappelle que la masse et l'énergie ne sont que les deux faces d'une même pièce. C'est pourquoi dans ce total, on y met de l'énergie noire et de la lumière, etc. Voilà. Alors, j'ai plus les valeurs exactes. Où est-ce que j'avais récupéré ça? Où est-ce que j'avais récupéré ça? Où est-ce que j'avais récupéré le camembert? Je ne me souviens plus, je l'ai récupéré tout à l'heure, mais je ne me souviens plus. Je vais retrouver. Est-ce que vous avez les valeurs de la matière noire et de l'énergie noire? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Attendez, peut-être si je cherche Dark Matter directement. Voilà. Grosso modo, 30% de matière noire et 70% de... Alors, là, je vois des valeurs que c'est 5% de matière ordinaire et de l'énergie ordinaire, 26,8% de matière noire et 68,2% de l'énergie noire, voilà. Voilà. Donc en fait, la matière noire, c'est 85% de la masse de l'univers, et l'énergie noire, c'est 95% de l'énergie de l'univers, voilà, si on sépare les deux. Merci beaucoup, Ratatosk, pour les infos. Tu les as eues juste avant moi. Alors... Image numérique, Ismaël Troata, Furaniman ont réussi la question. Et Blues Oreille s'est planté, tiens, ça c'est pas souvent. Image numérique conserve son avance, Uraniman passe devant le Blues Oreille, et Fidafid reste quatrième, talonné par Géo l'Intrépide. Non, la matière baryonique n'a rien à voir avec le baryonyx. Rien à voir. Salut Géo l'Intrépide, j'espère que tu vas bien. Salut Timo 111. J'arrive, c'est commencé, pas grave, comme ça je serai pas trop dans les tréfonds négatifs. C'est la recette pour un cake au chocolat ou un univers au chocolat. Peut-être. Allez, c'est parti. Question numéro 8, si je me trompe pas. C'est ça? Non, 6. Laquelle de ces constellations de l'hémisphère sud peut être observée dans le sud de la France métropolitaine? La Dorade, la Croix du Sud, le Toucan ou la Corone australe? J'avais dit que les questions seraient étonnantes. J'ai essayé de faire des questions étonnantes, du coup. Alors, laquelle de ces constellations de l'hémisphère sud de la Terre, donc essentiellement qu'on est censé voir à travers la Terre, voilà, sont visibles depuis le sud de la France métropolitaine?
que c'est la dorade, la croix du sud, le toucan ou la couronne australe? Alors. Et c'est possible, je l'ai déjà fait et j'ai vérifié sur Stellarium, c'est vrai. Voilà. Oui, je t'ai vu faire tout à l'heure. Ma chérie m'a vu faire tout à l'heure. Et la réponse était la couronne australe. La dorade, la croix du sud et le toucan sont proches du pôle sud céleste, donc pas visible depuis l'hémisphère nord de la Terre. Et la couronne australe se trouve juste en dessous du scorpion. Et donc si vous êtes dans le sud de la France, eh bien vous pourrez facilement voir la couronne australe en été, juste au-dessous du scorpion. Est-ce que je peux avoir une carte du ciel qui soit un peu plus mieux que ça? Voilà. Je vais vous afficher ça. Toc, voilà. Donc, la couronne australe, elle est ici. Ça fait du coup un arc de cercle ici, comme ça. Là, vous avez le scorpion. Et là, vous avez le sagittaire. Et donc, l'horizon, il doit être quelque part comme ça. Vraiment au ras de l'horizon. Il faut vraiment, avoir un bon ciel. Parce que à l'horizon, il va y avoir la pollution lumineuse et la brume et tout ça qui vont rendre l'observation difficile. Mais par une bonne nuit bien claire, dans le sud de la France, en été, il est possible de voir cette constellation qui s'appelle la couronne australe, sachant qu'il y a aussi une couronne boréale qu'on peut voir depuis l'hémisphère nord de la Terre, hein, sans aucun problème. Et le piège était dans le fait qu'il y avait marqué Austral dans le titre. Voilà. Faut pas être à Marseille. Bah si, justement, faut être à Marseille pour la voir. Je me réserve la dernière plage à ce stade, vous en faites pas. T'as confondu avec la couronne boréale. Eh bien oui. La Croix du Sud, non, quand même pas, faut pas déconner. La dorade de Marseille. Oui, mais bravo aux deux personnes qui ont trouvé. Fidafide et Titou71, bravo, bravo. Oui, parce que je t'ai vu faire tout à l'heure. Ah, mais tu m'as vu faire, d'accord. Mais tu te souviens de laquelle dépassait, du coup? Tu te souviens de celle qui dépassait de l'horizon? Bravo, ma chérie. Non, j'ai tapé au pif. Image numérique, toujours en tête avec 89 000 points. Yoraniman en deuxième position avec 56 720 points. Et Fidafide avec... Oh, Fidafide devant elle brûle les oreilles. Mais que se passe-t-il? Tremblement de terre. Les bras m'en tombent. Mais couille. Pas en pleine ville. Ah non, pas en pleine ville, c'est sûr. Eh bien écoute, bravo Fidafide. Elle brûle les oreilles se fait talonner par Tino71 qui vient d'arriver. Ratatosk est en train de creuser pour voir s'il n'y a pas des étoiles au nadir. Le nadir, c'est le contraire du zénith, hein, c'est ce qui est à la verticale sous nos pieds. Et comme je dis souvent dans mes animations, il n'y a rien à dire dessus, puisque c'est sous nos pieds, tu disais. Oui, mais ça n'a pas de désavantage, parce que tu peux trouver du diamant. C'est vrai. Mais en plus, pour observer les neutrinos qui viennent du Soleil, eh bien, comme ils interagissent peu avec la matière, on les fait passer à travers la Terre avant de les observer. Donc on a des télescopes qui regardent vers le nadir, justement. Voilà. Des télescopes un peu spéciaux, certes, mais plus des détecteurs de particules que des télescopes. Mais bon, en quelque sorte, un télescope, c'est un détecteur de particules. Ça détecte des photons, hein. Voilà. Le nadir, c'est Nada. Ouais. Nadir Morano. Salut, Laurent. Salut, Laurent et Nod. J'espère que tu vas bien. Allez, tu fais un coucou rapide, mais tu peux au moins faire la question d'après, Laurent. Regarde, t'as une question pour toi. Combien d'étoiles forment le dessin de la grande ours? 12, 18, 7 ou 10? Voilà. Quoi? Combien d'étoiles forment le dessin de la grande ours? Vous savez, la grande casserole, là. Voilà, il y a combien d'étoiles qui forment le dessin de la grande ours? Voilà, voilà. Le ciel vaut mieux regarder la partie zénitale. C'est ça. Beaucoup de taf, beaucoup de fatigue, mais ça va. Pareil. Sauf que là, je suis en vacances et j'ai mis une semaine à me remettre du taf. Donc, je commence tout juste à émerger des bras de Morphée, là, depuis une semaine. Oh, mais tu t'es tombé malade aussi. C'est vrai. Une semaine avant tes vacances.
Donc en fait, j'ai pris 2 semaines de vacances, mais il y a une semaine, c'est se remettre du travail. Donc en fait, j'ai qu'une semaine de vraies vacances. Enfin, une semaine où je peux faire des trucs, en fait. C'est un peu compliqué, c'est comme ça. Allez, je révèle la réponse. Et il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé, c'était 18. Eh oui, 18. Une semaine de comatage dans le lit, je vois. Alors, je vous montre, je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Alors. Je cherche juste la carte du ciel correspondante. Tac. Alors. Voilà la grande ourse que vous connaissez peut-être, qu'on appelle aussi la grande casserole. Alors, il faut savoir que la grande casserole, ce n'est pas une constellation. C'est un astérisme. La différence entre ces deux mots qui veulent dire la même chose étymologiquement, c'est-à-dire un dessin fait avec des étoiles, c'est que l'astérisme peut être fait à toute échelle que l'on veut et par qui on veut, quand on veut. Et la constellation, c'est un grand dessin dans le ciel qui est officiel sur la carte du ciel. La casserole n'est pas officielle. La casserole est un astérisme constitué de 7 étoiles. Alcaïde, Mizar, Aliot, Maigrèze, Doubé, Merak, et celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Et voilà, c'est juste un astérisme. Un astérisme, ça peut être aussi le triangle d'été, par exemple, qui relie les 3 étoiles Deneb, Vega et Altaïr. C'est pas une constellation. Ça regroupe 3 étoiles de 3 constellations différentes. Ça peut être aussi l'amas d'étoiles des Pléiades qui ressemble à un petit chariot. Voilà, c'est un astérisme. Ou encore le regroupement d'étoiles du cintre, c'est R399, entre l'aigle et la flèche, qui aux chercheurs de télescopes ou aux grosses jumelles ressemble à un carré sur un trait, un porte-manteau ou un cintre. Et c'est un astérisme, voilà. Une constellation, c'est donc le dessin officiel. Alors, si on prend plutôt la version anglophone de cette page, on a une meilleure carte du ciel, c'est la carte de l'IAU, l'Union Astronomique Internationale. Et vous voyez que, eh bien en fait, le vrai dessin de la Grande Ourse, il est un peu plus compliqué que ça. Nous avons ici la queue, représentée par le manche de la casserole. Nous avons le dos, ici. Nous avons le cou, la tête. Les pattes avant, ici, le ventre, les pattes arrière, et les fesses, ici, voilà. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18. Alors même 19, si on veut chipoter un peu. Par exemple, ce trait-là, moi, je le mets pas d'habitude. Donc 18 ou 19 étoiles. Selon comment on compte. Voilà, voilà. Attendez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà, 19. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup de fruits de mer. Beaucoup de huîtres. T'as hésité à dire 18, Laurent? Ah. Et alors, qui est-ce qui a trouvé? C'est Image Numérique qui avait trouvé avec 24 000 points. Bravo. Contestante 46, c'est qui? C'est Ratatosk. Image Numérique qui est en train de prendre les devants avec 113 000 points, bravo. Uraniman est toujours deuxième, une boucle d'oreille est repassée troisième, Fidafid quatrième, et Géo l'Intrépide conserve sa cinquième place mais n'arrive pas à remonter au score. Merci Tukishiro-san pour le follow. Merci Utsuri d'ailleurs qui a follow juste au début, au lancement du live tout à l'heure. J'espère que tu es toujours là pour recevoir ce compliment. Tu t'es fait détrôner de la dernière place. Ah! Ah ah! D'accord. Ah oui, c'est vrai, effectivement. On passe à la question suivante. Qui est la question numéro 8. Quel objet du système solaire est surnommé l'étoile noire en référence à Star Wars? Est-ce que c'est Mimas? Est-ce que c'est Rhea? Est-ce que c'est Ganymède? Ou est-ce que c'est Cérès? C'est dur, c'est pierre de plèche, pierre facile. Bah, ce sont des questions étonnantes en même temps.
Donc j'ai dû taper dans les pièges et les anecdotes. C'est le numéro 28 en même temps. Vous avez fait déjà plusieurs quiz, donc je dois vous challenger un petit peu maintenant. Est-ce que Cérès a une matraque? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que Cérès est dans la ceinture d'astéroïdes et donc il faut peut-être faire du contrôle des foules. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, faut peut-être expliquer le jeu à Tsukishiro-san. Les règles. Ah, Tsukishiro, il faut que tu cliques sur l'écran directement. Alors en fait, tu dois activer QuizKit et une fois que tu as activé QuizKit, tu pourras cliquer directement sur l'écran pour donner les réponses. Voilà. Et je révèle la réponse. Il s'agit bien de Mimas. Mimas. Alors Cérès, c'est le plus gros astéroïde de la structure d'astéroïdes. Donc c'est une planète naine, Cérès. 900 km de diamètre. Ganymède, c'est la plus grosse lune du système solaire, lune de Jupiter. Rhea, si je me trompe pas. Est une lune de Saturne. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est aussi un astéroïde d'ailleurs. Il y a un astéroïde qui s'appelle Rhea et une lune de Saturne qui s'appelle Rhea. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà Rhea. Voilà. Bon, il y a certes un gros cratère comme ça en haut, mais ce n'est pas celle-là qui est surnommée. L'étoile noire, Ganymède, la voici. Voilà, Ganymède, lune de Jupiter. Voilà, qui ressemble pas spécialement à un truc de Star Wars. Cérès. Non, pas la mythologie. Voilà, Cérès. Ressemble à ça. Alors, elle n'a pas de cratère qui ressemble au laser de l'étoile noire, mais elle a deux cratères ici, là, sur son équateur, qui ont des dépôts de sel venant de sous la surface, indiquant la présence d'un océan d'eau salée sous la surface, en tout cas à ces endroits-là. Et Mimas, lune de Saturne, voilà, ça que je ne me souviens plus, qui ressemble à ça, avec effectivement le laser de l'étoile noire, ici, voilà, prêt à tirer sur nous, pauvres humains. Et donc, nous l'appelons l'étoile noire entre astronomes. Voilà, voilà. Alors, qui avait trouvé? 5 personnes avaient trouvé. Uraniman avait trouvé, Bulldozeroy avait trouvé, Image Numérique, Ismaël Trollatoff et Tienou71 avaient trouvé. Bravo à vous. Bravo, bravo. Désolé, je suis fatigué, mon filtre à jeu de mots nul n'est pas très efficace. Mais faisons le plus possible. Il n'y a pas de jeu de mots nul ici, ce sont des jeux de mots indépendants, figure-toi. Image Numérique s'envole en tête avec 140 000 points, Uraniman avec 78 points, Talon la moitié d'Image Numérique à peu près. Presque exactement la moitié d'ailleurs. Et vous aurez 45 000 points est à la moitié à peu près d'Uraniman, enfin un peu plus de la moitié d'Uraniman. Et Tinous 71 est t'as un peu moins de la moitié des boucles d'oreilles. C'est intéressant. Comme conformation de podium. Enod, moins 48 000 points après deux questions. Désolé pour toi. Les jeux d'amis sont très appréciés ici, jeux de mots indépendants. Oui, et figurez-vous qu'avec Enod, quand on était plus jeune, une fois dans le métro, on a fait un combat de jeu de mots. Et je sais pas si c'est un faux souvenir ou si c'est une hallucination à ce moment-là, mais je crois qu'on a la même. On a eu l'impression que le wagon se vidait autour de nous. Voilà. Est-ce que Enod, tu as toujours cette impression-là dans ton souvenir ou est-ce qu'il y a que moi? Tu te souviens, cette fois, on avait fait un combat de jeu de mots dans le wagon et que les gens s'étaient... Ouais, enfin, j'ai 38 ans quand même, hein, Nada. Non, on était jeune encore. Est-ce que tu t'en souviens aussi ou est-ce que c'est un faux souvenir que je me suis fait? C'était en revenant d'un concert, je crois.
On avait nos guitares dans le dos et on faisait des blagues à non plus finir, et je crois que les gens nous regardaient bizarrement. Le souvenir très net que j'ai toujours, c'est qu'il ne faut pas nous mettre dans la même place, pièce, parce que sinon on en fait un continu. C'est ça. Exactement. N'hésite pas à mettre, ton lien vers ta musique, Enode, dans les lives. Enode est un musicien et prof de chant si vous avez besoin d'apprendre à chanter. En mars 2009, une étude annonce la détection d'une molécule complexe dans Sagittarius B2 au centre de la galaxie Voie lactée. Est-ce que c'était de la cortisone, de la vitamine C, de l'arôme framboise ou du paracétamol? Oh, Twitcher depuis peu. Bah, attends, je vais faire un shout-out. Ah, Enode, voilà. Allez, follow cette personne, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a détecté dans cette zone de la Voie lactée? Est-ce que c'est de la cortisone, de la vitamine C ou de l'arôme framboise ou du paracétamol? Eh oui. Alors, qu'est-ce que nous avons détecté à cet endroit de la galaxie? J'avais dit, hein. Question étonnante, réponse étonnante. C'était pas du rhum arrangé? Non, ce n'était pas du rhum arrangé. C'était de l'arôme framboise, du formiate d'éthyl. Mais alors par contre, dans une nébuleuse autour du centre galactique, certes, c'est peut-être un peu plus dense qu'ailleurs, c'est quand même très peu dense une nébuleuse, donc il faut quand même ouvrir la bouche très longtemps et voyager très vite pour pouvoir sentir le goût de l'arôme framboise, mais il y en a, voilà, il y en a. Sachant que vous captez, il n'y a pas que ça, donc ça doit avoir un sale goût au final. Mais on a trouvé de l'arôme framboise, entre autres molécules complexes, dans des nébuleuses, notamment autour de Sagittarius B2. Oui, non, je pense que c'est une faute de frappe, Uraniman. Je pense que c'est une faute de frappe. Alors, qui a trouvé? C'est Ismaël qui a trouvé. Bravo, bravo à toi. Et on a toujours Image Numérique en premier, Uraniman en deuxième et le Bogosol en quatrième. Les scores n'ont pas beaucoup changé. Et Ismaël est passé devant Géo l'Intrépide. Ah, on est peut-être parti pour une partie où Elbruzray ne gagne pas. Ce qui est rare. La suite. Ça, mes chéris. Les questions sont vraiment dures. On y va. Une grande valeur d'albédo indique un matériau très réfléchissant. Quel est donc l'albédo de la comète Chury? 99%, 24%, 58% ou 6%? 99%, 24%, 58% ou 6%? 0% ce serait tout noir et 100% ce serait un miroir en fait. Hein. Alors, la comète Churyumov-Gerasimenko. J'ai dû abréger en Chury parce que ça rentrait pas. Alors, je vous laisse réfléchir à cette question. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez modifier les couleurs de votre petit chat. Avec l'onglet Stream Avatars. D'ailleurs, je vais vous remettre un petit peu de nettoile. Voilà. Alors, la réponse était 6%. Et oui, malgré le fait qu'une comète est faite de glace, ce n'est pas de la glace propre, c'est de la glace parfumée aux hydrocarbures et molécules organiques en tout genre, ce qui fait que c'est un des objets les plus sombres du système solaire. Ça ressemble plutôt à du charbon d'aspect plutôt que de la glace. Et oui, les comètes ne sont pas très propres. Ce qui est très lumineux, ce sont leurs queues cométaires de cristaux de glace et de gaz, et leur queue de plasma. Mais par contre, la surface de la comète, elle, est assez sale. Voilà. Et nous avons Image Numérique qui a 25 000 points sur cette question. Bravo. Et Fidafit qui est à moins 25 000 sur cette question.
Image numérique est en tête, s'envole encore plus avec 163 000 points. Ensuite, un jour, Uranimen et Bruce Oreille, 77 et 45 000 points. Ismaël Trollateuf et Tino71 essaient de remonter. Et au bas du classement, nous avons Enod à moins 74 000 points. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Question suivante, numéro 11. Lequel de ces objets du système solaire ne possède actuellement pas le champ magnétique global? Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Mercure? Ou est-ce que c'est Ganymède? Lequel de ces corps n'a pas de champ magnétique pour le protéger du vent solaire? C'est comme pour Lilou du cinquième élément, on préfère dire Churi plutôt que Churyumov Gerasimenko. C'est ça. T'as vu le véritable nom? Je connais pas le véritable nom de Lilou par contre. Tu l'as mis? Liluminae, Lekatariba, Laminachai, Ekbat, Deseba. Oh, c'est compliqué. C'est ça. Ouf. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Ça doit faire long sur une carte d'identité, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que vous... Quel est le nom d'une personne connue le plus long que vous connaissez? Et deuxième question. Quel est le nom de ville le plus long que vous connaissez? Et ensuite, cherchez dans cette ville le nom de rue le plus long qu'il y a. Et imaginez que la personne habite à cet endroit et écrivez l'adresse de cette personne. Nom, prénom. Tout. Rue. C'est ça. Il y avait un sketch de François Rollin là-dessus. Il comparait deux personnes. Un riche bourgeois qui s'appelait Pierre-André de la machin, truc, machin. C'était vachement long à écrire. Et après... Il a pris une personne imaginaire qui s'appelle Joe, avec un nom en, je sais pas, Joe Rue. Rue de Ni, puis un code barre, et puis après un code postal, et puis après Ri. Voilà. Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest et Isson, c'est dans la Marne. Ah, c'est pas mal ça. Le nom complet officiel de Bangkok, what? C'est quoi? Attends. C'est quoi, c'est tous les quartiers de Bangkok qu'ils ont mis un seul nom, c'est ça? Comment ça se fait que ça s'appelle comme ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc en Irlande, Dodd, c'est vrai. Il y a aussi un village en Canada qui est très long comme ça. Donc oui, c'est Vénus qui n'a pas de champ magnétique. Alors on pense qu'il en a plus. Je ne saurais pas vous donner les raisons. Par contre, je ne suis pas spécialiste de Vénus, mais Vénus n'a plus de champ magnétique. Et une partie de l'eau sur Vénus, la plus grande partie de l'eau sur Vénus a été perdue à cause de ça, puisque avec l'effet de serre galopant qu'il y a eu sur Vénus à cause de son atmosphère de CO2 là, l'eau du coup est partie en haute altitude et a été dissociée en hydrogène et oxygène et s'est échappée dans l'espace. Et parce que du coup il n'y a pas de champ magnétique et voilà, donc c'est le vent solaire qui érode en fait l'atmosphère de Vénus petit à petit. Mercure a un champ magnétique, Ganymède a un champ magnétique, la Terre aussi. Ganymède a un champ magnétique, c'est la seule lune qu'on connaisse qui en a un d'ailleurs. Et l'effet dynamo est dû à, du coup, aux forces de marée de Jupiter qui font fondre ses entrailles. J'y connais pas grand chose en champ magnétique, tout ce que je peux vous dire c'est que Mercure et Ganymède en ont un, voilà. Du coup, les gens se disent, hey, salut, ça te dit qu'on se retrouve sur la fin du magasin à quelqu'un. Récemment, il y a pas mal de fusions de communes qui ont créé des noms de communes artificiellement longs, c'est plus drôle. Ouais, c'est vrai. Même si c'est pas le plus long, mon préféré reste Saint-André-Gouldois. Il y a aussi l'association des noms de communes chantant, je sais plus ce que c'est, Grivois et chantant, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, le vent solaire n'a pas réussi à dégager l'atmosphère restante. C'est ce qui m'a trompé. Ouais, bah après Vénus c'est quand même une planète assez massive, donc je pense qu'elle doit en retenir une bonne partie quand même. Et puis il y a du volcanisme sur Vénus aussi, qui la renouvelle.
Mais je connais, c'est chez moi, je crois. Association des communes de France au nom burlesque et chantant. Oui, tout à fait. Où vous allez trouver des villes comme Andouillé, Arnaque, Arnaque-la-Poste, Ballot, Beaufou. Attendez, je vous montre quand même. Belle-Brune, La Bénisson-Dieu, Bèze, Bourgnoniac, Bousillé, Casagnouse, Chantemerle-sur-la-Soie, Cocumont, Cornu, Coubissou, Cudo, Cucugnan, Folle, Gratelou, Saint-Guérant, La Tronche, Les Lèches, Long Cochon, Maran, Messin, Mingeau-Sébo, Mon Crabeau, Mon Téton, Nous Voitou, Plumeau-Dent, Poil, Le Quiou, Saint-Arnaque, Saint-Barban, Saint-Pompon, Saint-Plé, Trécon, Vatan, Vaux-en-Beaujolais, Vieille-Vie, Vinsobre, Mariole également. Sachant qu'il existe aussi des villes comme, Prends-toi garde, comme Angoisse également. Voilà. Dans mon coin, il y a une commune qui s'appelle Mouet. C'est pas mal ça aussi. Ah là là. Il y a Chirac aussi en Charente. Oui, mais ça, c'est rigolo. Alors, les scores, viens voir. C'est Yoranimal et Fidafit qui ont bien répondu. Bravo. Image numérique toujours en tête. Bon, ça change pas le classement, toujours le même. Et on a une note qui, hélas, continue de creuser pour voir si le moins peut se changer en plus, si on dépasse la valeur de la variable. C'est vrai, quand on dépasse la valeur maximale d'une variable, ça repasse dans le. Ça change de signe. Tu es dans le Val-de-Marne, Enode. Tout à fait. La titine, également connue sous le nom de connectine, est une gigantesque protéine constituée de 244 régions bien évidemment d'une protéine liée par une séquence non structurée de peptides. Pourquoi ? Pourquoi tu cliques sur le lien, essaie de lire le nom étendu. Vraiment, quand tu lis chaque élément, tu sais. What ? Je sais pas si t'as vu ça. Wow. En chimie organique. Oui, je vois ça. Bordel de merde. En fait, t'as tous les acides aminés qui sont... Regardez ça. Ça, c'est le nom de la molécule en prenant tous les groupements d'atomes qu'il y a dessus. Pas d'atomes, c'est plutôt comme c'est une protéine, tu prends les acides aminés. Ah oui, les acides aminés, oui. Qui sont... Oh là là, mais non, c'est... Les peptides. C'est énorme. Qu'est-ce que je dis, acides aminés? Attends, est-ce que c'est ça? Moi, si je me trompe. Titine. Ouais, gros petit tube. Ouais, vous savez, moi je... Ouais, le titine, là. On paraît que c'est ça qui s'est passé, ils étaient bourrés, ils n'arrivaient plus à le dire, ils ont dit, ah, et titine. Non, en vrai, ils ont essayé de se donner un truc sérieux, ça vient de titan. Ah, ça vient de titan, mais oui, c'est ça, ça vient de titan. D'accord. Ah là là. Ce nom est composé de 64 060 lettres. Voilà, au Scrabble, vous savez quoi écrire, du coup. Vous avez quoi écrire? Voilà. Et du coup, bah, si on prend plusieurs molécules d'éthanol et qu'on les met bout à bout, ça fait pas titine, ça fait bibine. Ça fait de la bibine, voilà. Encore un effort pour voir le nadir. Mais c'est ça, en fait, et le bouc aux oreilles cherche... Non, Enode cherche à voir le nadir, en fait, c'est ça. Tout à fait. Oh, c'est beau, on a une image numérique qui cherche à atteindre le zénith, tandis qu'Enode cherche à atteindre le nadir. C'est autrement plus compliqué parce qu'il faut creuser. Et je rappelle qu'on n'a pas fait le trou le plus de 12 km de profondeur sur la Terre, parce que sinon après la foreuse fond. Et si tu te demandes à quoi sert la titine, c'est une protéine qui est dans les muscles. Elle sert à l'élasticité. D'accord. Voilà. Ah, ça sert à... Donc la titine sert à l'élasticité des muscles. Voilà, heureusement que notre corps ne l'appelle pas par son nom, parce que sinon il y aurait beaucoup de temps avant que le message arrive aux muscles et qu'il se passe quelque chose. Tu veux dire que quand tu fais l'appel le matin, tu cherches tout le monde. Ah ouais. C'est ça. Allez, question suivante. Autour de quelle étoile les premières exoplanètes ont-elles été découvertes? 51 Pegasi, Proxima Centauri, Sirius ou PSR B1257+12? Attention, c'est pas parce qu'on a le même prénom qu'il faut nous confondre. C'est vrai.
T'en as des choses à dire. Mais oui. Mais je constate que malgré le fait que tu venais juste pour faire un show, tu es resté sur plusieurs questions. Donc c'est que ça t'amuse quand même. Et vous auriez répondu trop vite. Eh oui. Eh oui. C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était un piège, mesdames et messieurs. Et encore une fois, cette émoticône que tu as utilisée, boucle aux oreilles, on dirait Sébastien Carassou. Voilà. Mais c'est pas Sébastien Carassou, mais on dirait Sébastien Carassou. La réponse était PSRB 1257 plus 12. Eh oui. Puisque la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire a bien été découverte autour de 51 Pegasi en 1995 à l'observatoire de Haute-Provence par Didier Queloz et Michel Mayor, c'est vrai. On a découvert des exoplanètes dans le système d'Alpha du Centaure, c'est vrai. Sirius, je ne suis pas au courant en tout cas. Mais les premières exoplanètes ont été découvertes autour d'un pulsar PSR 1257 plus 12 en 1991. Eh oui! Mesdames et messieurs, eh oui, wouhou, eh oui. Ah, attendez, qui est l'auteur qui est le découvreur de ça déjà? Je ne sais plus. PSR 1257 plus 12. Donc le pulsar a été découvert en 90 par l'astronome polonais Alexander Volzhan. Et les planètes ont été découvertes par Volzhan et Dale Frail. Voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mets ça ici. Un nom très chantant. Mais du coup, ils l'ont renommé en Leash. Pas beaucoup mieux. Leash étant une sorte de zombie qui, dans Donjons et Dragons, fait retirer des niveaux aux personnages, ce qui est assez chiant, d'ailleurs. Chiant parce que on perd des capacités, mais chiant parce qu'il faut refaire tous les calculs aussi. T'as eu peur une seconde, t'as cru avoir bon. Donc Uraniman, Razatosk, Ismaël, Fidafid et Joe l'Intrépide ont bien répondu à cette question. Humage numérique s'est fait dépasser par Uraniman. C'est bien ça qui s'est passé là. On est d'accord. Oh, la Ebuzo, il a bien baissé, t'es passé de 45 000 à 18 000. Ah, ça c'est... Alors, Enod Live, c'est Boubastrovisier qui a le record du score le plus négatif avec moins 600 000 et quelques points. T'as encore de la marge. Mais moins 111 000, ça commence à être joli. L'une de tes planètes s'appelle Droger. Ah, d'accord. Question 13. Laquelle de ces propositions est vraie? La matière peut voyager plus vite que la lumière? La gravité peut voyager plus vite que la lumière? L'espace peut s'étendre plus vite que la lumière? Ou l'information peut voyager plus vite que la lumière? Alors, la vitesse de la lumière est commune à tous les référentiels. Elle est indépassable, mais indépassable par quoi? Telle est la question. Uraniman, tu disais oh my god pour toi, pourquoi? Alors. Ça, tu le sais, tu crois. Eh bien, est-ce que tu as cliqué sur la bonne réponse? C'est ça qui compte, surtout. Hein? Je le mangerai tout à l'heure. Parce que je suis passé premier au classement général totalement inattendu. Et donc, effectivement, seul l'espace peut s'étendre plus vite que la lumière, puisque l'espace, c'est du rien. L'information, c'est de la... En fait, c'est de la lumière, en fait, c'est de l'énergie, l'information. L'information, c'est de l'énergie. Non, ça peut pas voyager plus vite que la lumière. À condition qu'on prenne en compte l'intrication quantique. J'avais pas pensé à ça. L'intrication quantique, c'est instantané. Est-ce que c'est vraiment un voyage, du coup? Je sais pas trop. L'espace, en tout cas, oui, puisque
Avec l'expansion de l'univers, en fait, on se rend compte que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Il n'y a pas de limite à ça, en fait. Donc, les galaxies aux confins de l'univers s'éloignent plus vite que la lumière. T'avais pensé à l'intrication quantique. Mais moi, je viens d'y penser à l'instant, vous voyez. Je viens de vous dire que j'ai eu la bonne réponse. Avec 16 000 points, en plus. Donc, l'information plus vite que la lumière, effectivement, avec l'intrication quantique, j'y avais pas pensé. Mais ça pourrait se voir comme ça. Je suis pas spécialiste hein, de l'intrication quantique. Je n'ai pas en tête tous les aspects du problème. Est-ce que vous avez la ref? Si je vous dis que concernant l'intrication quantique, je n'ai pas en tête tous les aspects du problème, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Tous les aspects du problème. Tous les Alain magiques, comme dit ma chérie. Oui, c'est Alain Aspect, le français, qui a eu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'intrication quantique. Voilà. Et la dernière fois que j'ai vu Alain Aspect, eh bien, il a fait son show Alain magique. Il nous a fait des tours de cartes. Oui, puisque je connais Alain Aspect. C'est un ami de mes parents. Et donc, oui, je connais un prix Nobel. Ouh. Ça change pas grand chose à ma vie, mais je connais un prix Nobel. Je sais pas si ces tours de magie ont été chez lui, mais ce serait trop trop bien de voir. Ouais, il fait des tours de magie en fait pour expliquer entre guillemets les phénomènes quantiques. Et c'est trop bien. De ce que j'ai compris, même l'intrication ne permet pas d'aller plus vite que la lumière, pas en termes d'information en tout cas. Oui, c'est ça. Donc l'information, ça peut pas aller plus vite que la lumière. Image numérique et repasser devant Uraniman. Epgluzai revient à ses 40 000 et quelques points. Et Node Live est repassé sous la barre des moins 100 000 points. Enfin, sur la barre des moins 100 000 points. Regarde, je l'ai réchauffé. J'ai rajouté de la végétale. Ah, attends, pas tout, tu finis ça d'abord. Je le mange ou pas? Non, vas-y. Les nébulosités visibles sur les photographies de l'amas des Pléiades sont-elles des restes de ces étoiles mortes? Le vent stellaire que ces étoiles émettent? Les restes de la nébuleuse de leur formation? Ou alors, des nébuleuses présentes fortuitement dans les parages. Je vais vous montrer la photo. Mais vous avez peut-être déjà vu cette photo des Pléiades. Hein. Hop. Voilà, cette fameuse photo des Pléiades. Hein. Avec des beaux nuages sur la photo. À quoi sont dus ces nuages, mesdames et messieurs? C'est quoi comme étoiles? Ce sont des B9, je crois, c'est ça, hein, c'est ça. B6, B8, B9. Ok, donc ça, on a ici des étoiles qui ont une centaine de millions d'années. Je crois que c'est 300 millions d'années au plus. Il n'y a pas l'âge, là? Un... 444 années-lumière, mais ça je m'en fous. Age. Non, pas image. Ça m'avance pas beaucoup ça. Ah. Entre 75 et 150 millions d'années, c'est ça. Donc, les Pléiades. Bon, il faut savoir que, effectivement, les étoiles naissent dans des nébuleuses qui s'effondrent sur elles-mêmes. Hashtag Nebula le jeu qui va sortir bientôt. Par gravité, sous forme d'amas d'étoiles, avec toujours les mêmes proportions d'étoiles selon les masses. Et celles que vous voyez là, ce sont que les plus brillantes, puisque il faudrait un télescope infrarouge ou un temps de pose très long pour voir les plus petites étoiles. Qui sont en fait 95% des étoiles. Mais, il y a un mais, c'est que en 40 millions d'années, tout le gaz d'une nébuleuse est consommé pour former des étoiles, ou repoussé par les ondes de choc des vents stellaires et des supernovas, ou cassé en ions et en électrons par les rayonnements UV des étoiles bleues de l'amas d'étoiles. Or,
C'est une moyenne, 40 millions d'années, hein, bien sûr, plus l'amas est massif, plus ça va mettre du temps à se dissiper, mais toujours est-il que déjà, au bout de 100 millions d'années, il y a très peu de amas d'étoiles qui résistent à l'épreuve du temps, puisque au bout de 100 millions d'années, il n'y a plus du tout de gaz, donc l'amas d'étoiles, il est censé être beaucoup moins massif, et les étoiles sont moins attirées les unes par rapport aux autres, et finissent par vivre leur vie chacune de leur côté, et pour ça que le Soleil est tout seul d'ailleurs, tout en, pour 50% des cas, récupérant un ou plusieurs compagnons avec elles pour vivre leur vie. Et les plus gros amas d'étoiles vivent jusqu'à 1 milliard d'années avant de se disperser. Donc, grosso modo, il est impossible d'avoir encore du gaz de la formation des étoiles au bout de 150 millions d'années, comme pour les Pléiades. Donc, ce n'est pas les restes de la nébuleuse de formation de ces étoiles. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, y compris des collègues que j'ai pu croiser jusque-là dans ma carrière, et moi-même il y a quelques années avant de creuser la question. Et c'est un mythe, ce n'est pas absolument pas le nuage restant de la formation de ces étoiles. Pour la raison que j'ai dite juste avant, il y en a une deuxième, c'est que si c'était le cas, les étoiles seraient enfouies dans ces nuages et le rayonnement UV de ces étoiles serait en train de casser les atomes d'hydrogène de ce nuage en ions, enfin en protons et en électrons, et la recombinaison de tout ça devrait faire de la lumière rouge, ce qui n'est pas le cas ici. C'est donc pas du gaz ionisé qu'on a ici, mais par contre ce qu'on a c'est de la poussière interstellaire qui réfléchit la lumière de ces étoiles. Et on le voit puisque c'est la lumière bleue, justement. Donc c'est une nébuleuse par réflexion, déjà. Donc si c'est une nébuleuse par réflexion, il y a quand même beaucoup moins de chances que ce soit le gaz dont sont issues ces étoiles. Ce ne sont pas non plus les restes des étoiles mortes. Voilà. Ce n'est pas non plus le vent solaire de ces étoiles, ça ne va pas faire autant de nébulosité que ça. Et ce sont juste des nébulosités présentes fortuitement. En effet, l'amas d'étoiles orbite autour de la Voie lactée, les nuages de gaz et de poussière aussi, et parfois, il arrive que l'un d'entre eux passe devant un nuage. Voilà. Et donc, pour les Pléiades, il s'agit d'une rencontre fortuite. Bravo aux deux personnes qui ont trouvé. Et Bugs Wright, Sinon 71. Bon, après, si quand vous faites une explication, vous prenez la main des Pléiades pour expliquer la naissance des étoiles, c'est pas grave. Voilà. Mais, parce que l'explication marche quand même. Mais sachez que pour ce cas-là, c'est pas vrai. Voilà. Donc, si vous prenez cet exemple-là pour expliquer la naissance des étoiles, c'est pas de bol. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Si je vous montre, par exemple, un autre amas d'étoiles qui, lui, est en formation. Alors, tac, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, un amas d'étoiles avec de la nébuleuse qui est liée à cet amas. Voilà. Alors certes, ça dépend des filtres colorés qu'on prend pour faire l'image, mais là, on a clairement un amas d'étoiles qui creuse sa bulle dans ce nuage, qui compacte la poussière opaque et qui fait rayonner en rouge l'hydrogène de la nébuleuse. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est pas du tout la même chose. Voilà. J'efface ceci. Hop, et on passe à la suite. Alors, au niveau des scores, on a Image Numérique qui est en tête devant Uraniman et Bugles Oreille. On a toujours Tune 71 et Géolintrépide qui se battent pour la 4ème place. Et Node est repassé en dessous des moins 100 000 points. On continue, c'est parti. Question numéro 15. Laquelle de ces choses ne peut pas être visible en plein jour sur Terre hors éclipse de Soleil? La pleine Lune, la planète Jupiter, la planète Vénus ou la planète Saturne? Qu'est-ce qu'il est impossible de voir en plein jour? C'est ça qu'on appelle les régions H2. Oui, tout à fait, Uraniman. Tout à fait. Je
Celle-là n'est pas très dure. Réponds-lui trop vite. Ah, les Japonais en ont fait une marque de voiture, les Français une collection littéraire. Oui, en japonais, les Pléiades s'appellent Subaru. Ah, c'est pour ça qu'il y a les petites étoiles sur le logo du constructeur automobile, d'accord. Ah, ah. Et sur la voiture sans permis de Villebrequin, aussi. Ils l'ont décoré en Subaru. Une Prezza. Oui, oui, bah oui. C'est pour ça. Eh ben oui. Effectivement, c'est la pleine lune qu'il est impossible de voir en plein jour, puisque si la lune est pleine, ça veut dire que nous voyons l'hémisphère qui fait face au soleil. Et si nous voyons l'hémisphère de la lune qui fait face au soleil, ça veut dire que le soleil est à l'opposé. Et donc, il n'est pas possible de voir le soleil et la lune en même temps dans le ciel si elle est pleine. Puisque si c'est à l'opposé, c'est qu'il y a la Terre entre les deux. Voilà. Sauf... Dans certaines configurations, peut-être, au pôle de la Terre, quand le soleil se lève et que la lune se couche, ou que le soleil se couche et que la lune se lève, à l'horizon de part et d'autre, mais faut vraiment chercher, quoi. Hein. Et alors, Jupiter, Vénus et Saturne sont visibles en plein jour, même à l'œil nu, à condition de savoir où elles sont. On y voit un petit point blanc sur fond bleu, difficile à voir, mais si on sait où c'est, à quelle hauteur de l'horizon, etc., il est possible de le faire, je l'ai déjà fait. Mais faites quand même attention, puisque Vénus étant une planète plus proche du Soleil que la Terre, nécessairement elle va se trouver près du Soleil, parfois trop près, et ça peut être dangereux de le faire pour vos yeux. Voilà. Par contre, pour Jupiter et Saturne, aucun problème. Sauf si, bien sûr, la configuration fait que Jupiter ou Saturne est en conjonction avec le Soleil, ce qui sera un petit peu embêtant. Voilà. Il y a une super image de Saturne en plein jour récemment sur Twitter. Je sais plus sur quel compte. Bah, je sais pas, c'est pas Jean-Luc Dauvergne par hasard, non? Je me fais parfois le lever de pleine lune. Ouais, plutôt le lever de pleine lune, parce que le coucher de pleine lune, faut se lever tôt quand même. Le matin est une légende, n'oubliez pas. C'est Image Numérique et Team 71 qui ont la meilleure réponse. Et donc, Image Numérique est repassée en tête. Et Enode est toujours en train de creuser pour atteindre le nadir. J'espère que tu apprends des choses, mine de rien. Bien sûr. Et que tu ne me veux pas de te charrier un peu parce que tu es mon ami. Voilà. Allez, next question. Question numéro 16. Pourquoi le ciel nocturne est-il noir? Parce que l'univers est en expansion? Parce qu'on baigne dans de la matière noire? Parce que l'univers est plein de vide? Ou parce que l'univers a une taille finie? J'apprends des choses en creusant au tractopelle. Eh oui, tout à fait. Oh, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un type qui s'amuse à faire des machines en Lego et qui a voulu essayer de construire une maison Lego avec des Lego techniques de tractopelle. Et ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Mm. Il a aussi essayé de faire voler des avions en Lego, ça marche pas très bien non plus. Donc... Pourquoi le ciel nocturne est-il noir? C'est le paradoxe d'Olbers, mesdames et messieurs. Qui nous dit que le ciel nocturne est noir, ce qui est vrai. Et qu'il devrait être blanc, ce qui est vrai aussi. Deux choses vraies qui semblent contradictoires, c'est un paradoxe. Le ciel devrait être blanc, puisque s'il y a une infinité de galaxies, eh bien, on devrait, dans toutes les directions, en fait, dans toutes les zones du ciel, additionner une infinité de sources lumineuses qui devraient faire une lumière uniformément blanche. Comme c'est le cas pour la bande de la Voie lactée, il y a des milliards d'étoiles dont la lumière s'additionne pour faire un nuage blanc, même si on ne peut pas discerner et dénombrer les étoiles qui le composent. Voilà, c'est ce paradoxe dont on avait parlé la dernière fois. Et oui. Et pourquoi donc c'est pas un paradoxe en vrai? Parce qu'un paradoxe, c'est avant d'avoir compris. Hein. C'est comme le paradoxe des jumeaux. Le paradoxe des jumeaux qui fait que selon la relativité restreinte, eh bien, un jumeau qui partirait de la Terre dans un vaisseau à la vitesse de la lumière, eh bien, devrait
avoir le temps qui passe moins vite pour lui que pour celui qui restait sur Terre. Mais celui qui restait sur Terre, finalement, il part à moins la vitesse de la lumière dans le temps, et donc ça devrait être pareil pour lui. Comment c'est possible? Bien, en fait, c'est l'accélération qui compte. Et celui qui accélère, c'est le jumeau qui s'en va dans le vaisseau. Et donc c'est lui qui a son temps qui est ralenti, et pas l'autre. C'est ça qu'on résout le paradoxe. Et là, c'est pareil, on résout le paradoxe en disant que l'univers est en expansion, mesdames et messieurs. L'univers étant infini, il doit contenir une infinité de galaxies. Et donc, partout où on regarde, il devrait y avoir une infinité de galaxies dont la lumière. Une infinité de lumière de galaxies à additionner. Enfin, il devrait y avoir une addition d'une infinité de lumière de galaxies. Bref, j'arrive pas à faire le. Une addition de lumière d'une infinité de galaxies, c'est ça? Qui devrait faire que c'est blanc, mais comme l'univers est en expansion, et que l'espace s'étend plus vite que la lumière, référence à une question précédente, eh bien, la lumière n'arrive pas à nous parvenir de ces galaxies très lointaines, ce qui fait qu'au bout d'une certaine distance, ça devient tout noir. Et bien sûr, ça dépend aussi de votre temps de pose et de votre sensibilité. Avec les yeux, le ciel paraît plus noir qu'avec un télescope, forcément. Mais si on prend le télescope le plus puissant du monde et qu'on le fait poser pendant des jours et des jours et des jours et des jours, il va quand même rester du noir entre les sources lumineuses qu'il verra, parce que justement, on va atteindre la fin de l'univers observable, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle la lumière de ces galaxies ne nous est pas parvenue et ne pourra jamais nous parvenir. C'est un petit peu comme un chat qui montrait un escalator qui descend. Eh bien, si l'escalator descend plus vite que le chat ne monte, eh bien, il n'atteindra jamais le haut. De même que si la lumière va moins vite que l'expansion de l'univers, elle ne nous atteindra jamais. Là, l'image récente des GWST du ciel profond. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, bravo aux 5 personnes qui avaient trouvé. Ratatos, Image Numérique, Uraniman, Ismaël Trollateuf et Fidafid. On a toujours le même classement général. On a toujours la même chose, je crois. On a Titino71 qui est 5e et qui est en négatif maintenant. Géolo Intrépide qui résiste à l'expansion du zéro du classement. Est-ce que tu vas résister jusqu'au bout? On verra. Question numéro 17. Comment définit-on le terme étoile géante? C'est un truc que je vois souvent passer dans les journaux de vulgarisation et un petit peu partout sur internet, et qui est en général mal expliqué. Étoile géante, est-ce que c'est une étoile très massive? Est-ce que c'est une étoile mourante? Est-ce que c'est une étoile qui a grandi? Ou est-ce que c'est une étoile qui est plus grande que les autres? Objectif, redevenir positif. Alors pas au Covid par contre. Attention. Viens mon petit chat. Viens, jamais sur ton doigt. Viens mon petit chat, viens. Voilà. Attention qu'il n'y ait pas de l'eau. Viens. Voilà. Voilà mon petit chat. Hop là mon petit chaton. Faire un peu de magie. Voilà. Disparition de magie. Non, on ne veut pas. C'est pas grave. Voilà, mon petit chaton, elle est là. Voilà. Si elle est là. Voilà mon petit chaton. Mais super. Petite patte mie. Je peux? Comme ça, juste comme ça. Oui, oui. Ah, ça c'est bon, ça, le petit fromage. Un petit peu de plus jamais. Voilà. Voilà. Oh, que du stool, on voulait aussi. Ah, que du stool. Voilà. Donc je disais quoi après ce petit interlude chat? Oui, donc la réponse c'est une étoile qui a grandi. Et oui. Et parce qu'une étoile très massive, mais très massive par rapport à quoi? Hein? Une étoile mourante, d'accord, mais il y a aussi des petites étoiles qui meurent. Et une étoile plus grande que les autres, mais plus grande que quoi? Hein? Et oui. Et non, une étoile géante c'est une étoile qui a grandi. C'est une étoile qui est plus grande qu'avant. Par rapport à elle-même, donc. Alors, que je vous montre ça.
Et sachez que le Soleil deviendrait une géante rouge, et pourtant c'est une étoile peu massive. Et elle sera encore moins massive à la fin de sa vie, puisqu'une géante rouge a perdu 40% de sa masse. Et oui, c'est un faux ami. Faux ami qui se trouve être une erreur pour beaucoup de gens, et même pour des professionnels. Alors, voilà, je vous montre ça ici, toc, voilà, voilà donc le diagramme de Hertzsprung-Russell de classification des étoiles selon leur luminosité en verticale ici et leur température en horizontale ici, plus froid à droite, plus chaud à gauche, plus sombre en bas, plus brillant en haut. La séquence principale, c'est là où on va trouver les étoiles naines ou les étoiles normales. Ce sont le résultat, en fait, du morcellement et de l'effondrement d'une nébuleuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours les mêmes proportions. Les globules de gaz les plus massifs font les étoiles les plus massives et les plus chaudes, donc les bleus, les naines bleues. Et les plus petits morceaux de nuages font les étoiles les moins massives, les naines rouges. Et donc ça veut dire que les étoiles qui sont ici, on appelle bien ça des naines bleues. Même si elles font 10 fois la taille du Soleil, des naines bleues. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien c'est que elles vont brûler tout leur hydrogène dans leur cœur. Ce qui fait que leur équilibre sera rompu. L'équilibre entre la pression de radiation de la lumière qui cherche à sortir de l'étoile et la gravité qui pousse l'étoile à s'effondrer sur elle-même. Cet équilibre va être rompu parce que du coup il y aura moins de réactions nucléaires au cœur de l'étoile. Donc l'étoile va s'effondrer sur elle-même et elle va momentanément bleuir, devenir un peu plus chaude puisque la surface sera plus proche du cœur. Et dès que la température du cœur atteindra une température suffisante, l'hélium, qui est le résultat de la fusion de l'hydrogène, va se mettre à fusionner et faire encore plus de lumière qu'auparavant. Et donc, c'est cette fois-ci la pression de radiation qui va gagner la bagarre et l'étoile va gonfler. De plus, il va y avoir de la fusion d'hydrogène dans les couches proches du cœur de l'étoile. Donc, l'enveloppe va se réchauffer, l'étoile va gonfler encore. Pression de radiation qui va aussi augmenter. Et ça va faire une géante rouge puisque la surface sera plus loin du cœur. Et ainsi de suite, à chaque étape de fusion, il y aura cette contraction et ce bleuissement et cette extension et ce rougissement jusqu'à ce que l'étoile n'en puisse plus, à savoir soit que son cœur sera rempli de fer et on ne peut pas fusionner le fer sans rajouter de l'énergie, donc l'étoile va exploser en supernova, la gravité va faire que l'étoile va s'effondrer d'un coup et rebondir, exploser, ou alors si l'étoile est moins massive que 8 fois la masse du Soleil, et bien simplement il va y avoir une étape de fusion qui va être terminale au sens où l'étoile ne sera pas assez massive pour que elle s'effondre une énième fois sur elle-même et son enveloppe va continuer à partir sous la pression de radiation de son enveloppe qui fusionne voilà, en différentes couches. Et donc ça veut dire qu'une fois que l'étoile a grossi, elle devient donc géante et elle va alterner des phases de géante bleue un peu contractée à des étapes de géante rouge un peu dilatée, voire de super géantes bleues et rouges si c'est des étoiles très massives. Voilà, 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 voilà. Je me souviens quand j'étais gosse, j'avais un livre titré L'astronomie que j'avais poncé des centaines et des centaines de fois. Vite chez ma maman, je l'ai trouvé, je l'ai prêté à mon fils en lui disant « Tu liras ça, c'est super intéressant. » Un soir, je me réveille et je remarque que la lumière est toujours allumée dans sa chambre. J'ouvre et là je me trouve en train de pleurer. Il venait de lire que le Soleil allait gonfler et détruire la Terre dans 5 milliards d'années. Je me souviens d'une animation comme ça où j'avais une collègue qui avait dit à quelqu'un que le Soleil allait mourir dans 100 millions d'années. Sa langue avait fourché. Et la personne avait pris peur. Et du coup elle s'est reprise et dit « Ah non pardon, j'ai dit n'importe quoi, dans 5 milliards d'années. » Et là la personne a dit « Ouf !» Mais que ce soit 100 millions ou 5 milliards de toute façon, hein. Ça changera pas grand chose pour nous. Bravo Ismaël pour la bonne réponse. Sauf qu'il n'avait aucune notion de ce que représentait 5 milliards d'années. J'ai passé le reste de la nuit à expliquer les notions de grandeur. Bah tu m'étonnes.
Ce serait bien d'expliquer ça aux gros riches qui polluent la planète, hein, et à ceux qui croient qu'ils ont gagné ça par le mérite, hein. 5 milliards d'euros, ça fait combien de SMIC, hein? Voilà. Image numérique qui a toujours en tête. Enode continue son petit chemin. Geolandribid reste au quatrième. On y va, c'est parti. Question suivante. Sur lequel de ces objets du système solaire n'a-t-on encore jamais posé de sonde? Mercure, Mars, Titan ou Vénus? Titan étant la plus grosse lune de Saturne. Alors, dites-moi donc, où est-ce qu'on n'est jamais allé se poser? Alors, le temps que ça charge. C'est parti. Et oui, on s'est pas posé sur Mercure. Il y a eu deux sondes qui sont allées la voir, notamment BP Colombo et Messenger. Par contre, Titan, eh bien, Titan aussi est posé avec la mission Huygens qui était accolée à la sonde Cassini. Et bien sûr, sur Mars, on s'est posé des tonnes de fois. Et sur Vénus, les Russes ont posé plusieurs sondes Venera à la surface, qui n'ont pas fait long feu, certes, mais qui ont pu quand même prendre des photos de la surface, même en couleur. Figurez-vous. Donc la bonne réponse était Mercure. Bravo aux personnes qui ont trouvé. Il y en a un sacré paquet. Ça a permis du coup à Tino71 de remonter au score. Bravo à toi. Qui est contestante 107? Bravo à toi, tu as répondu positivement à ma question. T'es en train de t'endormir à moitié, Enode. Ah, c'est pour ça que t'as pas eu de points négatifs pour cette question, du coup, t'as pas répondu. Allez, next question. Question 19, mesdames et messieurs. Que reste-t-il aujourd'hui de la supernova consignée par les astronomes chinois en 1054? Visible en plein jour, hein, du coup. Est-ce que c'est aujourd'hui la nébuleuse du crabe, la nébuleuse de l'œil de chat, la nébuleuse de l'altère ou la nébuleuse de l'hélice? Je vous laisse répondre à la question. Est-ce que c'est la nébuleuse de l'altère, la nébuleuse de l'œil de chat, la nébuleuse de l'hélice ou la nébuleuse du crabe? Une petite babale, là. Elle est où? Je la vois pas. Elle est là. Pète me, tu veux une petite bobale, pète me, tu veux une petite pète me, hop là. Et voilà, c'est parti. Alors, cette supernova, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? J'imagine bien qu'il en reste une nébuleuse, forcément. Il en reste la nébuleuse du crabe. Et oui. Alors que je vous montre ça. Je vais vous montrer la nébuleuse de l'hélice déjà. On va faire ça. On va d'abord montrer celles qui ne sont pas celles-là. Hop. Voilà, nébuleuse de l'hélice. Ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, puisque c'est rond en fait. Au centre, le petit point, c'est le cœur de l'étoile qui reste, qui est une naine blanche en fait. C'est une étoile de moins de 8 fois la masse du Soleil. Et ça fait partie de ces étoiles qui ne meurent pas en supernova, mais qui simplement éjectent leur enveloppe à la fin de leur vie, et c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, si on regarde la nébuleuse de l'altère, hop, tac, voilà, pareil, avec la laine blanche au milieu, et l'enveloppe qui est partie, tout ça bien rond, bien rangé, etc., bien concentrique. Ensuite, on a nébuleuse de l'œil de chat. C'est toujours une nébuleuse planétaire, mais c'est déjà un peu plus violent, puisque vous voyez qu'en fait, là, on a plusieurs phases d'éjection de matière de l'étoile
toujours le cœur aussi qui est brillant, là, la naine blanche. Et on voit que c'est une étoile qui probablement tourne très vite sur elle-même et qui a éjecté son enveloppe en plusieurs étapes, dans plusieurs directions différentes. Et on a donc plusieurs bulles comme ça, orientées différemment, qui se superposent et qui ont grandi du coup avec des durées plus ou moins grandes. Et on voit qu'il y a de la turbulence au milieu. Comme si c'était pas bien bien concentrique. Donc on voit un petit peu ce qui se passe quand c'est pas tout à fait propre. Et par contre, si on regarde la nébuleuse du crabe, eh bien, ça ressemble à ça. Donc là, c'est pas du tout concentrique. Il y a que de la turbulence partout. Et c'est parce que ça a explosé, purement et simplement, après un rebond de toute l'enveloppe de l'étoile sur son cœur, qui en a fait du coup un pulsar ou un trou noir. Je sais pas ce que c'est au milieu. Est-ce qu'il y a un pulsar au milieu? Ouais, il y a un pulsar, voilà. La nébuleuse contient en son centre un pulsar, le pulsar du crabe PSR B0531+21, qui tourne sur lui-même environ 30 fois par seconde. Voilà. Donc la nébuleuse de l'œil de chat, est-ce qu'on sait s'il y a un truc qui tourne au milieu ou pas? Ah, il y a des jets de gaz sur les côtés parce qu'il y aura un compagnon qui serait responsable de ces éjections de jets de gaz pour l'œil de chat. Alors, je sais pas si c'est une question de... Apparemment, c'est les jets de gaz qui font que ça a déformé la nébuleuse. Enfin, je sais pas. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi elle a cette forme-là, eh ben, je vous invite à regarder ça. Voilà. Et je vais vous mettre aussi celle-là. Nébuleuse du crabe. Si vous voulez voir un petit peu des choses sur ce sujet-là. Hop. Tac, touc. Et donc, c'est la nébuleuse du crabe qui reste aujourd'hui. Tout à fait. Image numérique 28 000, Elbouzeray 26 000, Ismaël 25 000, Martial Relier, bienvenue à toi, 22 000. Et merci pour le follow d'ailleurs, je sais pas si je t'ai remercié tout à l'heure, merci beaucoup. J'ai pas dû entendre, je pense. Ouais, y a bien tout ce qu'il faut. Alors, observé par un astronome chinois durant la période de la dynastie Song de juillet 54 à avril 56, la nébuleuse a été observée pour la première fois en 1731 par John Bevis, puis en 1758 par Charles Messier, qui en fait le premier objet de son catalogue Messier. Voilà. Et donc... Supernova... C'est ça. L'étoile atteignait une magnitude apparente maximale comprise entre moins 5 et moins 3. Donc ouais, c'est la limite pour l'avoir en plein jour en fait, hein, vraiment. Pour l'avoir vraiment en plein jour sans trop chercher. C'est un peu plus brillant que Vénus en fait. Voilà. Pendant 23 jours, elle resta suffisamment lumineuse pour être visible en plein jour. La supernova fut observée à l'œil nu pendant environ 2 ans après sa première observation. Et bah dites donc... Et donc, on a Martial Relier qui vient d'arriver et qui se hisse à la quatrième place du podium en ayant répondu bon à une seule question. Bravo à toi, bravo Martial Relier. Je sais pas si c'est très mérité du coup, la quatrième place. Mais c'est que c'est dur après de garder sa place. En fait. C'est ça. Question numéro 20. À qui doit-on l'expression Big Bang pour décrire le début de notre univers? Edwin Hubble, Albert Einstein, Fred Hoyle et Vera Rubin. Alors je rappelle que Edwin Hubble a découvert la vitesse d'éloignement des galaxies, Albert Einstein la relativité générale, Fred Hoyle était un adversaire de la théorie du Big Bang et pensait que l'univers était statique, et Vera Rubin a découvert les preuves de l'existence de la matière noire. Plutôt a théorisé la matière noire pour la première fois. Sheldon Cooper, bien sûr. Alors, qui est responsable de l'appellation Big Bang? Aucune idée. Big Bang.
Alors, our whole universe was in a hot, dense state. Non, ce n'est pas Georges Lemaître. Georges Lemaître est l'une des personnes qui a construit la théorie du Big Bang, mais c'est pas lui qui l'a appelé Big Bang. C'est Fred Hoyle. T'as dit qu'il était opposé. Ah, mais il a donné le nom. Eh oui. Le concept a initialement été proposé en 1927 par l'astrophysicien chanoine catholique belge Georges Lemaître. Nous sommes d'accord. Qui décrivait dans les grandes lignes l'expansion de l'univers avant que celle-ci soit mise en évidence par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929, grâce aux travaux de Henrietta Swan Leavitt sur les éphides, ne l'oublions pas. Ce modèle est désigné pour la première fois sous le terme ironique de Big Bang lors d'une émission de la BBC The Nature of Things le 28 mars 1949, dans le texte publié en 1950 par le physicien britannique Fred Hoyle, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaire. Et donc, il avait dit ça pour déconner, voilà. Pour la dénigrer dans une série d'émissions radiophoniques des années 50, il invente le terme Big Bang. Cela plaît au grand public et devient le terme désignant cette théorie. Ah non, mais je sais, je dis juste que je m'attendais à le voir dans la liste. D'accord. Encore un nom iranique qui est resté finalement. Et oui. Ah oui, ça nous perd, ça aussi. Bon, ben. Allez, juste les question score. Ah, ça va, c'était assez serré finalement. Alors, nous avons Image Numérique qui est à 239 779 points. Bravo! Uraniman, 161 999 points. Elbrux Oreille, 113 980 points. Image Numérique a réussi l'exploit de faire deux fois plus de points qu'Elbrux Oreille à un quiz astrospatial. Et oui, voilà! Uraniman a dépassé Elbrux les oreilles. Et oui, Martial Relier a réussi les deux questions auxquelles il a répondu. Bravo à toi, tu es quatrième avec 55 000 points. Ratatosk, qui est là depuis le début, a 24 892 points. Bravo à toi pour être resté dans le positif. Contestante 108, 12 628 points. Bravo à toi également. Ismaël Trollateuf, 10 991 points. Jaoul Intrépide, 2551 points. Vous êtes resté dans le positif, bravo. Martial Relier est en double avec moins 3104 points. Nous avons une intrication quantique de Martial Relier, je ne sais pas comment c'est possible. Fidafid avec moins 23 479 points. Contestante 82, moins 23 950 points. Tion 71, moins 28 431 points. Et Enod Live, moins 167 613 points. Tu ne dépasseras pas le record de Boubastrophysique avec ses moins 600 000 points. Voilà. Tu me donneras ton adresse pour le chèque. Mais non, voyons, mais non. Voilà, j'espère que ce quiz vous a plu. On va continuer la soirée en live. En attendant, pour YouTube, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes... tout ce que vous voulez. À YouTube, à bientôt YouTube.